Et bonjour à tous et bienvenue sur le Twitch ActuGeek Gaming. ActuGeek Gaming. Bonjour Lord Salut à 7. vous. Bonjour Monkey. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? Ben oui, ça va très bien, très bien. Lord 7, Lord 7, Lord 7, Lord Ouais, 7. Monkey, Monkey. Hey, Lucas Luc. Salut Lucas Luc. Lucas Luc, Lucas Luc. Lucas Comment Luc. vas-tu, Lucas Luc? Lucas Luc? Hey! Ah, il est en forme, le monkey, il a mangé des crêpes. J'ai mangé 5 crêpes. Bah 5! 5! 5! ben moi j'ai mangé une petite tartine de pâte à tartiner avant de venir. Ah, c'est bien ça aussi. Fait maison? J'ai déjà... Non, 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 pas Comment de pâte ça? à tartiner, quoi. Ça va, bof, mais... TRQL. Et vous? Bah pourquoi ça va bof? Tu m'as donné faim, mon Par qui. contre, Fais des crêpes. C'est bon, les crêpes. y a pas de visuel, je crois, pour les abos là. Non! Yo, Mr. Cheese. Tu n'es pas Prumps, Mr. Cheese. Non! C'était Lord 7. Allez! Ouais. Et après, c'était Lucas. Pas du tout. Et non, avant c'était Lord 7, après c'était ActuGeek Gaming, et après c'était Lucas. Et après c'était Mister Cheese. Hello Mister Cheese, ça va? Du coup, on n'a pas de. Enfin, moi là sur mon Twitch, j'ai pas de visuel. Il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Bah, c'est normal. Mais moi je vois tout. Ben, moi je vois rien. On attend, je vais actualiser. Est-ce que vous nous voyez? Eh ben si. Eh ben non, c'était un bug de ma Ouais, part. vous voyez. Lord 7 bug. Autant pour moi. Ouais, Lord Ted Bug, pour changer. Ouais, Mr. Cheese, il a raté la fin de Resident Evil, c'est pas bien. Carrément. Quel Ah jeu? bah bien. Quel jeu? Alors, il vaut le coup ou pas? Ah bah oui, il y a un petit peu qui vaut le coup. Même Ok. si t'as pas fait le 7, tu vois, c'est pas grave. Tu comprends quand même. Bah je comptais le faire de toute De façon. toute façon, il faut faire le 7, hein. C'est beaucoup mieux si tu fais le 7 et que tu fais après Ouais. Mais le 8. je le fais pas en VR par contre. J'ai posé un sondage sur la chaîne pour savoir si je le faisais en VR ou pas. On verra. Ouais. Bon, et eh ben est-ce qu'on lancerait pas la partie? Bah allez. Je pense que c'est une bonne idée. Et tada! Ah. Donc les fables, hein, toujours, on Toujours les continue. fables, effectivement. Fable numéro 5. Exactement. On va faire les petites Ouais, fables. voilà. Les fablounettes. Yep. Les petites fables. Ah ouais, non, mais la VR, carrément, Lucas Luc, moi je peux pas jouer à un jeu en VR. Oh, ouais, Rien, franchement. moi ça me fout la gerbe, quoi. Mais C'est si, horrible. mais si, mais Oh si. non. Mais Oh si. non. Oh, moi j'apprécie bien mieux d'être devant mon PC, tranquillou, sans avoir un truc sur la tronche. On C'est pas mon verra. délire, la VR. Bon, on va commencer du coup notre nouvelle fable, mais en attendant, j'ai quelque chose pour vous, vous le savez. On commence toujours, enfin on essaye, quand on n'oublie pas, de mettre le jingle! Let's go! Ça a bien marché. Hein. Bon allez, let's go, allons-y, battons-nous. Allons-y, allons-y. Mr. Cheese nous demande pourquoi c'est toujours toi qui filme. Ah, c'est faux. Ben, si, sur les lives, c'est vrai. Parce que c'est moi qui ai Et ben, tout mercredi. simplement parce que oui, il a une meilleure connexion que moi, et moi j'habite à la campagne, et j'en ferai peut-être des lives solo ou avec mon équipe prochainement, mais ça sera, il y en aura beaucoup moins et je pourrais pas en faire autant. Donc c'est pour ça. On va faire l'ordre des âmes. Vote, 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 vote. Comme t'as l'habit. Ah, c'est là qu'on le prend. L'habit fait le moine. Pavillon d'émissaire. C'est où qu'on prend la fable alors? Je vais regarder. Je crois me souvenir. En fait, je sais plus. Tu sais plus? On n'a pas l'air con du coup. Ouh, je suis level 66. Alors, voyons voir. Fable du flibustier. Dis-moi tout, bah je vais acheter des caisses de tout. Oui.
pense que c'est une bonne idée. Tu crois? Ah ouais. Un homme à la mer. Ah, c'est là. Essaye avec slash à la place d'un point d'interrogation, Mr. Cheese. Pour faire quoi exactement? Une commande Discord, apparemment. Ah oui? Ouais, essaye de faire slash Discord. Apparemment, c'est avec des slash que ça marche sur Twitch. Je jouais à Firewall avant VR avec l'arme et le PSVR, mais j'ai revendu vu que j'ai acheté la PS5. Ok, ça, tu sais que ça marche sur PS5 aussi, hein, le PSVR. Enfin, juste l'adaptateur, qui est gratuit, du coup. Ça a lagué visiblement le jingle. Bon. Ouais, j'ai vu un peu ça, un peu lagué, mais ça, je pense pas y faire grand chose. Ça ouais, vient pas forcément de la connexion. Je pense que ça vient de Twitch, tout simplement. Je pense que ça vient plutôt du fichier que j'ai lancé. Bon, bref. Peut-être, ouais. À l'ouest, faut aller à l'ouest. Ouest, ouest-nord-ouest après. Ouest-nord-ouest ? Ouest-nord-ouest. Bon, là, il jette des trucs sur le bateau. Ouais. Peut-être le personnaliser ce navire d'ailleurs. Vas-y, personnalise. Attends. Ouais, je vais personnaliser. Ouais, Lucaluc, je suis assez d'accord avec toi. Lucaluc. C'est clair que la VR, ça mérite des améliorations. Ah oui, bah oui, largement. Ce qui est pareil, l'Oculus Quest est vraiment bien. J'ai testé un peu tout, sauf celui-là. Après, je suis plutôt sur PSVR à la maison. J'ai le PSVR à la maison, mais j'ai testé l'Oculus Rift à l'époque. Donc ça remonte. Hein. Mm-hmm. Et le HTC Vive. Et je pense que le meilleur, c'était le HTC Vive. Parce que tu es un peu plus libre de tes mouvements, en fait. Personnalise pas ? Bah si, mais c'est où ? C'est là. Ah mais d'accord, hein. Mais elle me propose pas de personnaliser. Le coffre ? Là, à côté. Mais je suis vraiment un gros débile. Tellement pas l'habitude, voilà. C'est moi qui personnalise à chaque fois, ça se voit ou pas ? Je personnalise jamais le navire. Même quand je suis tout seul, je personnalise pas. Il y a un fort de la fortune. Et un joueur. Ça a l'air d'être un sloop. T'es sûr que tu mettrais ça en plus? Bah ouais, c'est cool. Ça va parfaitement avec la fab qu'on va faire du coup. Eh bah très bien. Allez, on se barre. Il a l'ensemble complet du Wayland. Est-ce qu'il a pas la barre? Non, pourquoi j'ai pas la barre d'ailleurs? Attends, je vais l'acheter. Je suis pas sûr que tu puisses la barre. Pourquoi? Justement parce que... Attends, je vais regarder. On l'a dans la fable? Ouais. Ouais. Bon écoute, on verra bien. Ouais, la barre, faut l'avoir dans la fable. Et pour l'avoir dans la fable, il faut trouver les 5 notes. Ouais. Et faire 5 fois le récit. Oui, bon. Oui. Ça sera pas ce soir, quoi. Bon, nord, combien là? Ouest, nord-ouest. D'abord ouest. Ah bah. Et après, ouais, on va Ok, bah on est bien là. Bien. Au revoir. À la prochaine. Et on s'arrête où à l'ouest là? Bah, déjà va plein l'ouest, tu vois, on n'y est pas encore. Ça marche. Avec le système de déplacement, j'aimerais que les genres de tapis roulants soient accessibles pour aller réellement où on veut, sans se TP ou joystick. Ouais, je comprends. Ouais. Je suis assez d'accord d'ailleurs. Et Mr. Cheese, il veut nous voir faire un truc, mais je sais pas quoi. Je sais pas non plus. Si c'est pour avoir la barre du Wild Rose, je vais pas me taper 5 fois la fable ce soir. Parce que c'est long et que je pense qu'on en a pour jusqu'à demain matin. Ah là, c'est possible. Facile, mec. Hein.
m'avait dit. C'est pas ça que je cherche, hein, de base. Tu cherches quoi? Je le dis pas. Je dis pas. C'est la surprise. Quel enfant, mais quel enfant! Salut Pototio! Hello Pototio! Ça va? La forme? Alors, je suis toujours à l'ouest, hein, mais je sais pas où est-ce qu'il faut qu'on aille donc. Pouvez me m'orienter, ça serait bien. Ouais, attends, je finis mon truc. Putain, qu'est-ce que tu sais que je vois tout ce que tu fais sur mon écran. Quoi? Bah oui. Comment ça? Bah voilà. Ça invoque déjà le Kraken sur le chat. Oh la vache, ça invoque le Kraken. Mais oui, ça va très bien, Potosio. Invasion Kraken. En vrai, c'est, il est stylé ce, cet emoji là. Oh la vache, oh la la la. Bon bah je vais au nord-ouest. Ouais. Je sais pas où je suis, mais je vais au nord-ouest. I've little time for talk. T'es décédé en fait là. Ouais. T'as ramené une flamme, toi. Non. Allez. Du coup, je sais pas du coup où je vais, moi. Voilà. Personnalisé à fond. Hé hé. Ouest. Encore? Oui. Putain, mais c'était loin, hein. Eh. On a Dagger Tooth. Ouais. Ah si on vraiment on se tape le Kraken, je vous maudis. Non non, il y aura pas de Kraken. Vu que il y a un... Rappelle-toi. Ah oui, il y a déjà un truc en cours. Yep. Pas de Kraken sur ce serveur. Des gnogno, des kiki, des gnocchia, poilé. D'accord. Bah c'est dans le chat, c'est pas ma faute. Moi je ne fais que répéter, moi. Ça n'empêche que les gnocchi c'était bon. Grave. Toujours très bon. Hein. Et pour le coup, là, pour le coup, on peut en faire des maisons, c'est hyper simple, c'est hyper bon. Bah c'est meilleur, hein, c'est sûr. J'ai éboulé. J'ai éboulé. Tu t'es mis dans le tonneau, non? Non. Pas encore. Voilà, c'est bon, bien, ça. On a le plein vent depuis tout à l'heure. Hein. Ah, faut aller sur l'île que t'as entourée, là? Bah ouais. Ok. Y'a pas avec l'île que j'ai entourée ou... Non, mais... Ah ouais. Je voulais pas aller sur celle-là. Hop là. Oh, le chien est disparu. Il a disparu. El toutou. El toutou est... parti. Tu peux la tourner un peu et on sera en plein vent. Oui. Magique. Marl White, toujours alors. Vivant, malgré des canonnages, c'est ça. C'est pas gentil. Exactement. Ah, il veut la recette, Lucas, des Knocky. Oh là. Alors, j'ai pas la recette, là, sous le coude. Mais c'est extrêmement simple, par contre, c'est long. Mais tu dois pouvoir la trouver hein, sur le net facilement, je pense, Lucas Luc. Là, je pourrais pas te dire exactement. Parce que ça fait un moment que je n'en ai pas fait.
Et pour tout dire, souvent, c'est pas moi qui les fais. Ah. C'est ma copine. On veut une vidéo tuto sur Actu Gaming, comment cuisiner. NDR. Alors en vrai, ça me gênerait pas. C'est surtout que c'était prévu. Hein. C'est vrai ça. Jian, elle devait en faire. Eh, hey, qu'est-ce qu'elle fout? Ah bah, je sais pas moi. Tout le monde l'attend là. Tuto pâte. Tuto pâte, ouais, exactement. Comment faire un gratin de pâte? Tu vas pouvoir aller au nord-ouest après. Eh, je m'en doutais. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Attention. Je m'en doutais, c'est tout. On trace. Là, par contre, on trace tellement, là. Ah, c'est bien. C'est cool. Ouais. Hop, nord-ouest. Ouin, 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 ouin. Mais ouais, mais ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. C'est la vitesse. Ah, je suis en train de me refaire Link's Awakening sur Switch du coup. Ah oui. J'ai eu pour mon anniversaire. Oh, trop bien. Ouais, et ça faisait bah du coup la dernière fois que je l'ai fait c'était sur Game Boy. Et vraiment mortel. Eh, hey, l'artiste, viens voir. Attends. Mets-toi là, là. Yeah. Ouais. Tourne-toi. Et regarde le bas du bateau. Hop. Mais qu'est-ce qu'il fout là, le clébard, quoi. Ah la vache. Je sais pas. Oh, le bug. Ouais, il a bugué, là. Il est passé à travers la coque, le machin, quoi. Ah, puis il danse, mon gars, il danse dans l'eau, le chien. C'est bien fait, hein. Ah, c'est à Sanctuary qu'il faut qu'on aille, en fait. Tu m'aurais dit directement, on peut aller, on va à Sanctuary, ça va être plus simple. Ah, on va à Sanctuary. T'as même pas tilté. Ah, alors on a Luc qui mise... Bon, tu prends pas trop de risques à miser des dollars. Hein. Mise de 40$ sur un abordage de notre navire par des PVP players. Et bah c'est vraiment pas gentil de dire ça déjà. Et puis peut-être qu'on peut en tuer un sur deux. Ouais. C'est jamais. Ah non mais je sens qu'il a la connaissance hein, Lucas, lui qui est pas con, il mise pas des euros. Moi, si tu veux, je te mise des roubles, y'a pas de problème. Je te mise 200 roubles, allez. Et ben, on y est. Ouais. Ah oui, ça vaut rien, ouais, je sais bien, c'est pour ça que je l'ai mise. Tu sais, le dollar, par rapport à l'euro, ça vaut pas grand chose. Ça vaut quand même, mais pas énorme. Alors, on va aller chercher les quêtes. Come on! Pardon. Putain, mais il y a des bugs aujourd'hui hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais. Ah bah tu remettras le boulot que t'as enlevé hein. Je le jette là. Alors c'est où? Je sais pas. Tiens, parle au monsieur étrange. Parle-lui. Mystérieuse personne. Bonjour, pirate. Ah oui, nous sommes des blocs, parlez au mystérieux étranger dans la taverne. Super. De rien. Merci. Bon alors, elle est où cette fable là? Je fouille. Elle, tu sais juste qu'elle est sur l'avant-poste en fait. Ouais. Alors là. Hop.
Ok, une caisse de fruits. Là. Tu m'en diras tant. Bah c'est où? Dans l'ordre des âmes, apparemment. Ouais. Ah oui, voter pour la fable. J'y étais en plus. Tiens, tu vas narrer. Je vais narrer. Ouais. Ça va être hyper long. Bon, mais c'est parti. Bon Dieu. C'est Olivia qui vous envoie. Grâce aux cieux. J'étais si inquiète et je n'ai personne à qui me confier, à part ce monstre de Humphrey. Je ne peux rien faire, voyez-vous. Je ne suis pas pirate comme mon amie Rose. Elle est incroyable. J'ai déjà vu trancher une corde avec les dents, vous savez. Ah ouais, la vache. Elle est si forte, sauf si elle est aux côtés de George. Ils se sont fiancés et elle m'a envoyé ce sublime journal. Elle y raconte leur rencontre, explique comment ils sont tombés amoureux. Ils m'ont même fait l'honneur de me demander de présider leur cérémonie de mariage. Sauf que, voyez-vous, ils devaient se marier il y a 3 jours, mais ils ne sont pas venus et je me fais un pendant. Comme genre, c'est l'ordre des âmes. Ils ont eu un problème, clairement. Ah, j'ai peur, ils sont morts. Olivia m'a dit qu'avec sa boussole, vous aviez pu trouver un seigneur squelette. Ouais, je connais mal le rituel, mais... Ouais, avec cette incantation, on devrait pouvoir localiser Rose et George. Dans son journal, Rose raconte qu'ils ont enterré leurs souvenirs les plus chers. Trouvez leur coffre de souvenirs et rapportez-moi les objets auxquels il vous mènera. Faites vite, je vous en supplie. Et bah super, bah du coup, l'ordre des âmes, c'est des grosses tatas, apparemment. Et ils sont pas. Alors apparemment ils sont mariés, alors du coup ils chouinent parce qu'ils se voient plus, mais il y a des squelettes partout. Les équipiers de Brixy. Ouais. On a un petit journal, effectivement. On a un journal ? Mmh. Oh, ça va être encore un truc à se coincer les parties dans une porte, mon gars. Pierre, aidez-moi à retrouver mes amis, rapportez-moi ces objets qu'ils chérissent et nous les retrouverons. Olive. Ce livre raconte notre histoire de ces défauts improbables, notre jour de noces prochain. J'ai hâte de passer le reste de mon existence à tes côtés. Georges, ta rose. Oh, c'est mignon. Ta rose. Tu m'appelles jamais comme ça. Oui, c'est vrai, je devrais, tiens. C'est la première fois que je parle de toi. Bonjour Olive, je sais que ça fait des lustres que je t'ai pas donné de nouvelles, mais tu connais la vie en mer. Sache qu'on a accosté à Sailor Bounty. On y a intégré un nouveau membre qui s'appelle George. J'espère que c'est une personne. Je ne sais pas s'il restera longtemps, il est tellement silencieux. Ce soir, on va voir s'il tient bien l'alcool. On s'amuse comme on peut. Rose, super. Sailor Bounty du coup. Ouais. Allez. Ah, y'a d'autres trucs après. Ah oui, y'a plusieurs pages. Hein. Oh là là là. À chaque fois, ils nous filent un dico, les mecs. Ah, y'a l'Olmam qui dit bonjour. Bonjour l'Olmam. Hello l'Olmam. Bienvenue à toi. Allez. C'est Lars Bloom. Et merde. Raté. Ouais, grave. T'as trouvé c'est Lars Bounty ou t'as une idée ou pas du tout? Non, j'ai pas été voir encore. C'est Lars Bounty, bah c'est juste là, c'est au nord-ouest. Parfait. Au nord-ouest. C'est bien, on a le vent avec nous, quoi. C'est tellement rare. Ouais. Putain, bah. Ah.
Lucaluc a suivi nos chaînes perso. Et bah c'est très gentil, Lucaluc. Yep, ouais, j'ai vu que tu m'avais. Bon, que tu m'as suivi, merci beaucoup. Bah tout à l'heure j'ai fait mon live, là, mon premier live sur la chaîne. Il y avait un peu de monde, c'était cool. Ouais, c'est cool. Moi je sais pas du tout quand est-ce que j'en ferai. Déjà en fait ça va être un... Je pense que prochainement il va y avoir un test sur ma chaîne du coup de live. Voir si ma connexion suffit et si c'est pas trop dégueulasse pour vous. Ce sera un, genre un live d'une demi-heure, 40 minutes quoi. Je vous tiendrai au jus. Au jus. Je sais pas du tout sur quel jeu le faire. Alors là... Je l'ai retrouvé. Ouais, je vais faire un jeu qui me plaît. Ça sera déjà pas mal. Ouais, ça, le nom du live. Testons ma connexion ensemble. Prenez des risques, regardez un live, tu peux cracher à tout moment. J'ai failli refaire une grosse bêtise, je me suis fait avoir comme un bleu sur Kanan Cove. Je me suis retrouvé dans une embuscade. Tout d'un coup, elle est apparue avec deux sables dans les mains. C'était du 1 contre 4, mais il ne faisait pas le poids. Pour marquer le coup, je l'ai appelé Wild Rose. Elle n'a pas souri, mais elle ne m'a pas frappé non plus. J'en conclus qu'elle aime se sobriquer. Oh oh! Ah, il donne des petits noms et tout. Mm. Ça déjà commence à devenir hot un peu là. Nous avons vu des voiles connues à l'horizon. La vieille capitaine Brixie écume toujours ses mères, j'espère qu'elle va bien. Ah, on l'a pas buté déjà à Brixie? Ouais. Olive, nous sommes poursuivis par un capitaine, une capitaine du nom de Rook. D'après la rumeur, ce serait une squelette porteuse d'une horrible malédiction. Elle en a après notre liberté, c'est un cauchemar. George est venu me servir un verre. C'était chaud et épicé. Il est resté me réchauffer le cœur. On racontait ce fable et puis je me suis endormi sur son épaule. La honte, Rose. Mmh. Jour 36, alors que je prenais un contrat chez Olive, elle m'a demandé si j'en pensais pour Rose. Je crois que je n'y avais pas pensé avant. Elle et moi nous sommes amis depuis le début. Elle m'a sauvé la mise plus d'une fois. Je crois que je vais réfléchir à la question d'Olive. Eh bien. Oh la menteuse, elle est amoureuse. Ça c'est la quête du coup. Olive il m'a embrassé. On est tout juste de mater le capitaine Quickshot. Et on était parti au Lagoon of Whispers pour se ravitailler. C'est à ce moment là qu'il m'a embrassé. Je ne veux pas dormir. Si ça se trouve ce n'était qu'un rêve. Salut Luncheb. Yo Lounès. Ouais c'est Lounès. Comment non, tu vas? J'ai décidé de l'appeler Luncheb. On a déterré un vieux coffre dans le sable humide de Sea Dog's Rest. Au fond, on a trouvé deux moitiés de médaillons. Il était on est arrivé, précieux. Hein. Ouais. J'ai de quelqu'un, mais il est à nous à présent. Une moitié chacun pour rester unis, même loin l'un de l'autre. C'est beau. Rook et son navire pèsent sur ses mers. Ses voiles sont toujours sur l'horizon. La malédiction ne quitte jamais les pensées de Rose. Rose est brave, mais je vois qu'elle a peur. La liberté d'aller où elle veut est vitale pour elle. Salut Olive. George et moi avons réuni des souvenirs que nous allons enterrer dans un coffre. Il est enterré à la pointe de Rapier Clé. Rose. Ah mince, faut aller là en fait. Non, je t'appellerai Lounès, ne t'inquiète pas, Luncheb. C'est pas très gentil, oh. Bon, faut qu'on trouve des restes de beuverie, je crois. Rapier Quai. Ok. Cher Liv, encore merci d'avoir accepté de présider la cérémonie. Nous avons répété notre danse sur Wanderer's Refuge. George m'a offert une boîte à musique pour me faciliter l'apprentissage des pas. On fera une boîte à musique du coup. Et peut-être leur, leur médaillon. Bah déjà moi je fais les petits kills là de machine, voir si je trouve des trucs. Ah mais y'a rien. C'est leur Bounty, ouais on y est là. Ouais on y est. Mais elle est grande l'île.
Sinon faut les rapurquer. Bah ça va être après. Je pense qu'il y a des trucs aux deux endroits. Elle est là. De quoi elle est là? Elle est pas très loin. Faut aller au sud est après. Ouais bah on ira après. Ah, je crois que j'ai trouvé. Ça marche. Ah mais viens là, j'ai trouvé un truc si tu veux. Yep. Je suis une chaloupe. T'as des tableaux là, tu peux les examiner. C'est des portraits d'Umbra. Oh. Ah mais il y a des trucs là. Des coffres. Je vais déjà pris mon avis. Ouais, un crâne, nickel pour l'ordre des âmes. Oh, des poissons. C'est vrai? Ouais, dans les tonneaux. Ah, du requin, de la poule, des planches. C'est comme ça qu'on fait le gnocchi. Oh, de la poule et des planches. Ouais, j'ai vu du kraken, bien, c'est de la poule. C'est bien ça. Bon, faut qu'on trouve où est-ce qu'ils sont bourrés la tronche, les deux zigotos là. Y'a pas d'indice au niveau de l'île? Bah. Sache qu'on a accosté Sailor Bounty, on y a intégré un nouveau membre qui s'appelle George. Ouais, non. Je vois rien de significatif. Je vais voir les petites îles, moi. Ouais, bah j'ai déjà fait celle du nord, du coup, c'est celle du bas. Tu... Ah, j'ai trouvé un journal. Ah. Aujourd'hui a été l'un des plus beaux jours de ma vie et aussi l'un des plus drôles, j'en ai encore mal aux côtes. Georges a trop réfléchi à la façon dont une forêt sa demande, où emmener, quelle attitude adopter, quel mot choisir. Dommage qu'il ait oublié de regarder où il allait, il s'est retourné, il a dit Rose, veux-tu m'épouser? Arg. Il est tombé dans un arbre et est resté coincé la tête en bas toute la journée. Enfin, jusqu'à ce qu'on le libère. Je ris encore. Mais bien sûr, j'ai quand même accepté. Comment dire non à mon Georges après tout ça? Monsieur Mignon. Bah ouais. J'ai trouvé une méga grotte là. Méga grotte. Ouais. C'est tellement qu'il va falloir que je ressorte pour récupérer, pour poser le crâne. Parce que... Là, j'ai une épave. Les poules. Là, ils ont peur, mon gars. Ah, bah ça. Ah. Bon appétit à toi, Lucas, à bientôt. Bon app, Lucas. Bon, bah, j'ai fait les petites îles, y'a rien. À part la première île où il y a le journal. Ça te dit quoi le journal? Bah, ah, oui, il faut les rattraper, il y en a 5. Ouais, bah viens là où je suis. Il y a sûrement des trucs à trouver. Il y a un tonneau, il y a un baril explosif devant l'île où il y a le journal. Et merde, je vois rien. Aïe. Ah, mais c'est la grotte où il y a tous les pièges là. Ouais. Ou d'ailleurs, ils viennent d'activer. Ouais, je vois ça. C'est la première fois que je vois une grotte avec des pièges. J'ai fait me faire trancher.
Ah bah je me suis fait avoir. Merde, il y a le... Il y a mon... Y a ce que, du coup, il y a un coffre là où je suis. Ah, je t'entends. J'essaie d'arriver. Ouais, c'est juste après ça. C'est pas grave, au moins tu récupéreras le crâne. C'est cool là, que des grottes avec des pièges et tout là. Mais. Hey. Okay. Ouais, tu, genre tu le touches, t'es mort quoi. Ouais, c'est ça. Hello Bast, bienvenue à toi. Salut Bast. Ah, Monkey. Salut. Tu penses que c'est dans cette grotte là? Moi, ouais, je pense, il y a des chances là quand même. Je sais pas, on peut aller voir. Faut qu'on y arrive à passer sans se faire puter quoi. Oh la vache. Ah moi ils étaient pas activés tous ces pièges là avant. Ouais mais je sais pas, c'est en te rejoignant ça les a activés. En quoi? En te rejoignant. Ouais. C'est peut-être fait exprès hein. Après, s'il y en a un qui meurt, l'autre peut sauver l'autre. Ouais, bah je t'attends à l'entrée du coup. Ah, bah t'es juste à l'heure en fait. Vraiment pas évident. Ok, donc par où après là? Allez là. Il y a des corbeaux là-bas. On peut passer par là. Mmh. Ah non, ça c'est... Je suis arrivé de par là tout à l'heure. Pas évident de se repérer. Hein. Je sais même plus où je suis mort. Il y a un signe là. Ah, je crois que c'est là. Hey. Attends-moi. Ouais, mais il y a rien du coup. T'as déjà été? Ouais, bah ouais, on en vient de là. Non, on a pas été au bout. Bah moi je suis mort de l'autre côté, hein. Donc là, là j'ai tout fait, moi. T'es mort en venant de l'autre côté? Ah, attends. Ah non, effectivement. Bah, y'a un cochon ici. C'est bon? T'es passé? J'arrive. Ah, y'a les... Si, ça descend encore. Ouais. Ton chien est en train de se rouler. Ah bah attends, il y a des trucs là. C'est quoi ça? Un levier. Vas-y. Il y en a deux leviers, il y a deux leviers, trois leviers. Ça tient le piège. Ouais, faut savoir lequel activer, je pense. Alors attends, on va peut-être éviter de mourir tous les deux comme des connards. Vas-y, active. Ok, donc ça fait ça. L'autre. Ok. Ok, et le dernier? Et ça sert à quoi le truc qui est au milieu? Je pense que c'est pour autre chose.
C'est bizarre quand même, y a peut-être dessus. Hein. Ouais, mais ça doit pas être là. Ah, tu l'as posé sur le banc, le crâne recherché. Oui. Putain. Du coup, tu penses que c'est pas là pour le Ouais, Wild Rose? faut aller à Rapurquet, je pense. Mais ça sert à quoi de nous dire de venir là alors? Non, c'est là qu'ils ont rencontré Georges. Mais en attendant un journal, du coup. Ouais, c'est sûr. Bah putain, faut qu'on fasse cette connerie Qu'est-ce là. que j'ai fait pour mourir? J'ai touché du bois. En vrai, on va essayer de ramener le crâne quand même. Ouais. Tellement vénère les pièges. Ah non, je suis mort. Ah. Il y avait une seconde de retard. Bah laisse tomber, si toi t'as le crâne, c'est bon, barre-toi, je vais te rejoindre. Prends pas de risque. Mais non. Ah si. Merci. Allez, on se casse. Oh, bon timing. Ok, bon, on suit l'eau. On suit l'eau. Oh, ça va bien dehors, ça. Je suis arrivé de par là, moi. Oh merde. Oh la vache! Non, je suis pas arrivé de par là. Mais c'est quand on marche sur des trucs, j'ai l'impression. Ouais. C'est chaud, hein. Moi, je suis plus lent en plus. Vas-y, je t'attends. C'est bon. C'est bon, on est sur table. Ouais, c'est bon. Il y a un simili-escalier en pierre. C'est ça. J'avais vu, il y avait une chaloupe à un moment. Ah oui, elle est là-bas. C'est vrai. T'as récupéré le journal, toi? Non. Viens, viens. Putain, on n'est pas au bout, hein. Le buisson m'empêche d'avancer. Non, mais... Là, je C'est te pas suis possible. bêtement, hein. Pourquoi il y a du brouillard, là? Ah, du coup. Non. J'ai tellement envie. Où ça, tu dis? Ah, le bâtard. Non! Ah, c'est honteux, c'est honteux. Là, ça a explosé. J'ai pas vu ton machin. Là. Oh putain, faut les voir, les machins. Ouais. Ça m'a fait une tâche. Très bien. C'est toi la Ouais, c'est tâche. qu'est-ce que c'est en moi là. Non. Attention les bleus, les buissons ça bloque le chemin. Ouais, grave. C'est un fail. Bravo. Putain, mec, il y a tellement de brouillard sur l'île. C'est badant, on voit pas à 2 mètres. Non, Allez, salut, hein. non. En vrai, je sais même pas où il est le bateau. Il est là normalement. Putain, pourquoi je suis hyper lent là?
Merde. Elle est sympa la musique. Ouais. Ah, il est là. Je pousse la chaloupe jusqu'au jusqu'au bateau, mais what the fuck. C'est dingue ce brouillard là, c'est hyper classe. Il n'y en a pas souvent du brouillard. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il est rare. Le... Je suis d'être gosse parce que logiquement il devrait être dans du brouillard, tu vois. Ouais. Bon, le magas cette chaloupe. Hein. Elle va rester là, je crois. Ok, sud-est du coup. Je suis en train de l'abîmer. Ok. Elle est un peu chère, mais elle est là. Et voilà. Mais quel con. Ça va pas bien. C'est de la vengeance, attends. Ah non, mais je vois le genre. Oh! Oh! Eh, salut! Fumier. Ah, l'enculé, quoi! Fallait où déjà? Non, non, mais. Bah, je sais pas, tu te démerdes, tu destes. Ah, t'es mauvais joueur. Sud-est. Oh, ça va encore. Par contre, elle apparaît quand, la sirène? Quand elle veut. Ouais, c'est un peu ça. Mutinerie sur le sur navire, mon gars. Eh, grave. Ça, par contre, c'est la lenteur. C'est ouf, on entend même pas. On entend que le brouillard. Bah, moi, j'ai même pas de sirène, en fait. Ah, si, c'est bon. Oh, elle est hyper loin, mec. T'as déjà essayé de buter la sirène? Non. Bah d'ailleurs, on sait pas trop si c'est une sirène ou un triton en fait, c'est chelou. Bah ça dépend. C'est une meuf ou c'est un mec? Ça peut. Oh, c'est un mec. Ça dépend. T'as les deux. Moi je monte, hein. Ok. Raté. Ah. Mais non. T'es allô ou pas? Eh oui. Et c'est voilà. Impossible. Bon, on va arrêter des conneries par contre maintenant. Hein. On va pas faire mourir. Donnant, donnant. Oh, on est joueur ce soir, ok. Ouais, mais trop. Ça se trouve, on en aura peut-être besoin de ces machins-là, tu vois. Eh oh! T'es en train de cramer? Tu me brûleras pas! Putain, mais l'autre, quoi. Ah, bon, t'as foutu le feu au navire, quoi. Ouais, bravo. Ah non, mais je vois le genre. T'as foutu le feu à la gazinière, enfin à la cuisinière, et ça l'a pas allumé. Quoi? Complètement con. Bah, il y avait le feu, mais c'était pas allumé. Ah ouais, c'est fou ça. Hello Ariel, comment tu vas? Salut Ariel. Oh, il y a un navire. Là, un galion squelette, si tu veux, à droite. Non, parce que vu la vitesse où on avance dans la fable. Ah, ok. Bah, non. Après, c'est. C'est à cause du vent aussi, là. Oui, oui, non, mais bien sûr. C'est pas à cause du fait que tu me balances des trucs au fur et à mesure que j'avance. Ouais. Pas du tout. Pas du tout. Alors, ça, la fable, ça avance bien. Bah, du coup, d'après leur tête, non. Bah, ça fait quasiment une heure qu'on y est. On oui, a fait une île et on a fait une île et on a rien trouvé, quoi. Ah, c'est parce que t'es têtu, ça. T'es têtu? C'est qui têtu? Alors attends.
vais essayer de récupérer des trucs là. Voilà. Ah non, il me faut récupérer des trucs. Voilà. Des noix de coco. C'était où? Eh ben je suis là. J'essaie d'éviter de te voir. Oh là là là, c'est à l'est, plein est. On est en train de dépasser l'île. Ah, c'est celle à gauche là? Ouais. Ok! Eh ben on y va. Pas de problème. Allez, tourne. Et je fais que ça. Non, mais y a trop de fond. Mais non! Je pêche. Je les ai toutes fait 5 fois, sauf la 6ème que j'aurais encore terminé 3 fois. Et j'aurais terminé, mais la motivation est dure à trouver pour ça. Ah! Ouais, tu m'étonnes. Ouais, ça fait beaucoup, hein. C'est ce machin là, cette toute petite île là? Ouais, faut aller à la pointe. Non! J'ai sauté beaucoup trop tôt! Pourquoi? J'ai vu le bateau qui m'a dépassé. Ah oui! Ah, c'est moche ça! Oh, le débile, tu sais! Ah, bien, une sirène là! Non, c'est pas fait ça! On se l'a fait! Ouais, là on est sur la 5ème là! C'est ça! C'est la plus rose. L'art 7 il bug. Comment ça je bug? Ton perso il saccade, c'est trop drôle. C'est toi qui saccade? Non. Alors non, déjà. Ah bah alors, bon. Fumier de squelette, on se l'a fait cette sirène ou? Ouais. Ça marche tellement bien, mec. Mais quoi? Bah tu l'as dégommé non, en un non, coup là. Tu l'as dégommé avant moi en fait. Mais j'ai rien fait quasiment. Non mais c'est toi qui l'as dégommé. Je lui ai mis trois coups de sabre et deux coups de. C'est une bleue, ça, c'est pour les un joueur ça. C'est de la merde quoi. Alors il faut aller à la pointe de Rapurke, si on va essayer les deux pointes. Rapurke. Il n'est pas sorti qu'il est mort lui. C'est pas possible. Ouais, pour l'instant on l'a fait juste une fois, c'est surtout pour découvrir. Ouais, plus que pour le challenge. Oh regardez le coffre cœur, c'est beau. Oh il est magnifique. Prendre les notes des amoureux. Suffit. Mais c'est marqué quoi? Hein? T'as marqué quoi sur les notes? Bah, je sais pas, c'est toi qui les as prises. Ah bah non, c'est toi qui les as prises. Non, j'ai pas appuyé sur le bouton. Il est insupportable. Tu les as laissées dans le coffre? Et non, c'est toi qui les as prises. Juste qu'elles ont été ajoutées. Ah. Des pages encore plus. Nos souvenirs. Oui. On devrait revisiter ces endroits et cacher nos souvenirs. Ah voilà. Mon activité préférée, sur une île au nord de notre premier crâne. Notre premier crâne. Olive, c'est toi qui nous a donné le contrat sur le Capitaine Quick. C'est fini. Bon, je vais sur le bateau. Ça, si tu veux avancer, tu peux avancer. Donc, faut regarder le contrat sur l'île du Capitaine Quick Shock. Shot. Donc faut aller où là? Je regarde. Dis-moi, donne-moi un cap, donnez-moi le si. Lone Cove. Donnez-moi le là. Lone Cove? Ouais. Cannon Cove, y'a Cannon Cove. T'es passé. Pour la jouer fine, on avait jeté l'ancre au pied d'une échelle. Faudra trouver l'échelle. En haut de l'échelle, on a longé la falaise, l'océan sur notre gauche. Les squelettes protégeaient un sentier éclairé par des torches. On a attaqué. Plongeant dans la crevasse. Cerné, on a fui vers le sommet.
les repoussant de notre mieux dos à ce gros rocher. J'ai vu Quickshot au loin et j'ai couru après lui. Je suis passé sous deux arches pour finir par l'embrocher sous le palmier près du rivage. Voilà, facile. Il y a tellement de passion quand tu dis ça. Ça ah m'aime. Bah oui. Ah bah oui. L'amour. Ah bah oui. Ça c'est l'amour. Ça. C'est l'amour ça. Ça. C'est l'amour qui l'a assassiné. Ouais. Ben, vous en êtes où, Mr. Cheese? On avance doucement, hein. Mais sûrement! Ouais, t'as l'autre, il s'occupe même pas des voiles, quoi. Je m'occupe de manger. Ouais, tu t'occupes de rien, t'as le mec, il a bouffé, quoi. Mais oui! J'avais faim. Oh la vache. Good. Ah, tu verras bien. Je me suis déjà occupé des voiles, hein. Non, non. Du coup. Si, c'était, moi, c'était je pas bien. Hop là. Il fait de la merde. Une fatigue. Mais c'est faux, le vent contre les voiles. C'est ça qu'il faut faire. Ouais. Mais du coup, Lone Cove, c'est après Sanctuary. C'est ce que vous aller. Faites, je trouve personnellement, est une des plus simples, un peu longue, mais sympa et facile à répéter. Ouais, c'est vrai, elle est ouais. plus simple. Elle a l'air assez longue, par contre, en effet. Et une fois chacune, oui, c'est ça. Enfin, moi, ça va être la deuxième, celle-là. Deuxième fois. Et moi, c'est la première fois, ouais. Voilà. Oh la vache. Oui. Oh la vache, pas si loin. C'est une sirène que j'avais. Une petite sirène. C'est que je t'ai pas vu, quoi. Oh putain, l'autre. Ben oui. C'est dommage qu'il y a ton nom qui apparaît au-dessus, quoi. Ça aurait été marrant pour se cacher. Et non, il apparaît pas le nom, il est caché après. Bah vas-y, mets-toi en tonneau. Ouais, si, si, hein, y a le nom qui est au-dessus. Ouais, c'est parce que tu joues avec moi. Oui. Ah bah après, pour les autres joueurs, ouais, non. Du coup, tu peux te mettre dans leur cale, peut-être en tonneau, quoi. Nord, plein nord, mon petit. Je voulais pas mourir, Mr. Chili, c'est pour ça que j'ai fait ça. Il est méchant, leur titre. Planor ! Venez m'ouvrir ! Bah, c'est bien pour ton nouveau matos, Mr. Chili, bravo. Par ah, contre, bonjour, vois, Mr. Game, du coup. Ah oui, il y a Mr. Game. Yep, Mister on Cheese, est neuf là. Ah bravo. C'est cool. Mister Game 98, salut ça va, j'aurais une question. Comment on peut se faire rapidement de l'or en étant débutant? Tu ne peux pas. Non je rigole. Si tu peux. Tu peux, tu fais des. En vrai, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui marchent. Fais déjà ce qui te plaît pour pas être lassé, parce que de toute façon il faudra que tu farmes. Donc moi j'aime beaucoup les caches au trésor. Ça me manque déjà d'ailleurs là. Ouais, les caches, ouais. Chez les collectionneurs d'or. C'est pas mal. Ah, bonjour, au secours. On a au secours, ouais. Comment vas-tu? Il y en a Ariel qui nous a demandé pourquoi on a un brig à deux et pas un soupe.
Eh bien, parce que le sloop, ça va pas vite, alors que le brig, ben, avec le vent, ça va carrément plus vite. C'est juste pour ça. Parce qu'en effet, le sloop, c'est carrément plus maniable. Il y a une sirène ? Ouais, mais c'est une petite. On la démonte, on la démonte. Le fun est-il présent ? Le fun est-il présent ? Bah, plus ou moins, plus ou moins. Bah, c'est rapide. On essaye au secours d'avoir le la fun attitude. Mais c'est pas évident avec mon kick. J'aurais. Ah, désolé. Ah, bah, ok. Ah, non, mais voilà. Je vois le genre. Je pensais qu'on pouvait. Alors. Non, en vrai, du coup, c'est quoi qu'il faut qu'on cherche ? J'ai même pas tilté, moi. Non, j'ai pas vu ton screen, Mr. Cheese, sur le Discord. Ah, j'ai pas fait exprès. Mais what the fuck? Quoi? Je lui ai donné un coup, ça l'a pas tué, et en plus il m'a craché dessus. Ah. Mais pourquoi? C'est triste. C'est pas gentil. Ah, il y a un truc à lire là. On est pas venu sur cette île il y a pas longtemps là pour la fable d'avant en fait. Si. Avec le. Avec le truc à positionner là. Mmh. Ouais, grave. Donc là, on cherche quoi en fait? Le ponton, tu sais. Il est derrière. Ok. Ah oui, le fameux ponton avec la grotte. Non, juste le ponton. Moi, je suis en train de regarder mon retour sur. Sur Streamlabs. J'ai aucun délai quoi. Ouais, ouais, c'est cool hein. Je pourrais limite jouer dessus quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah putain, il est où ce truc? Il est où ce petit ponton, hein? Seigneur de la piraterie. C'est bien, ça? Ouais, ça sert à rien. J'avais un petit livre. Ouais, moi pareil. Ben non. Ouais, je l'ai. Pourquoi il n'y a pas de sound alert, c'est-à-dire? Oui, je sais bien à quoi ça sert la cage dorée, Mr. Cheese, c'est juste pour voir si on pouvait pas mettre une émeraude dedans. Enfin, une gemme. Bah, j'ai pris un truc, mais je pense pas que ce soit ça. T'es où? Bah, au ponton. Ah, mais je sais plus où il est ce truc. Bah, regarde. Regarde sur la carte. Tu me vois pas? Tu vois pas mon nom? Ah, ça y est. Alors. Mais y a rien en fait. C'est normal. Oli, c'est toi qui nous as donné le contrat. Nya. En haut de l'échelle, on y est. On a longé la falaise, l'océan sur notre gauche. Là. Ok. Ouais. Les squelettes protégés un sentier éclairé par des torches. Non. Bon, il n'y a pas de torches là. Alors là, il y a mort. C'était plus loin. Donc on longe la falaise, on longe la falaise. Ah, des torches. Là, il y a des torches. Bon, il y en a une. On a attaqué plongeant dans la crevasse. Cerné, on a fui vers le sommet repoussant de notre mieux le dos à ce gros rocher. Ça doit être ça, le gros rocher. Ouais, c'est ça. Et après, il faut trouver... Et il faut trouver un squelette qui est embroché sur un arbre. Squelette embroché sur un arbre. Ouais. Elle le voyait au loin, elle a dit. Ok. C'est sur ton cou là, par où tu vas ou... Ah non. Pas du tout.
Ah non, mais genre, pas du tout. Je sais Merde. pas, je regarde tous les arbres que je vois. Hello toi, Mana, ça va et toi? Ben ouais, Ariel, on les fait sans Solus. Après, les abonnés nous aident. Si on galère Enfin, les vraiment. followers. Vous pouvez nous aider si on galère trop. On le demandera. Ne nous aidez Ouais, pas. aidez-nous. Sortez-moi de là! Si on demande pas, ne nous aidez pas. On demandera. Don't worry. Be happy. Non, mais faut vraiment qu'on fasse le truc sérieusement, je pense, parce que là, autrement, on va jamais trouver. Hein. T'as dit quoi? Faut qu'on fasse le truc sérieusement, autrement, on va jamais trouver. Mais c'est ce qu'on fait là, regarde le gros rocher auquel ils ont fait dos, c'est celui-ci. Faut que tu reviennes D'accord, j'arrive. vers le sentier. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Bah, je suis dans le studio sentier. Ok, donc pour toi, le gros rocher, c'est celui-là. Ouais, c'est sûr. Et donc, ils ont fait dos à ce machin. Ouais. Et tout droit, il y a un squelette dans un arbre. Est-ce qu'il se foutrait pas un peu de ma gueule en fait? Pas possible ça. Je le grave moi le squelette, y a pas de problème. J'ai dit précisément, j'ai vu. Alors, cerné, on a fui vers le sommet, les repoussant de notre mieux, dos à ce gros rocher. J'ai vu Quickshot au loin et j'ai couru après lui. Je suis passé sous deux arches pour finir par l'embrocher sous le palmier près du rivage. Ah, voilà, il y a plus d'infos là. C'est quelle page ça? Dernière. On est déjà rendu là? Eh oui. Non, je vois pas les arches. Oui. Alors. Passer sous deux arches. Ouais, c'est ça que. À moins que ce soit. Ah, c'est peut-être. Alors, faut peut-être pas. Ah, elles sont là, les arches. Une. Ah ouais, tu veux. Eh oui. Et deux, là. Ou deux, là. Une. Ouais, en fait. Ah. S'il y a des ennemis sur ton chemin. C'est que tu es sur le bon chemin. Est-ce que c'est beau? C'est Ah, poétique en mais plus. ça, c'est la logique des jeux vidéo, ça. Pour finir par l'embrocher près du palmier sur le près du rivage. Ça va être ça là du coup. T'as trouvé? Moi, j'ai pas trouvé. Je sais pas. On n'a pas dû trouver les bons arches. Au pire, on va sur la plage et puis. On creuse partout. Non, faut pas creuser. Ah, d'autres squelettes. C'est sûr qu'il faut pas creuser? Non, non, il faudra juste. Enfin, déjà, il faut trouver le squelette. Après, oui, il faudra peut-être creuser au niveau du squelette, mais. Alors, là, je suis revenu au début. Je vais refaire le bâton de chemin, c'est pas compliqué, hein. Ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils sont tombés dans la crevasse, ils sont montés, ils ont fait dos au rocher, ils ont vu machin au loin, les deux arches ils sont là, c'est Ouais. forcément ça. Et Ouais, c'est j'arrête pas de celle-là. tuer des serpents. Plus j'en tue, plus il y en a. Deux arches, ok, et là, bah du coup, ça doit être en face. Hein. Mais oui, j'ai essayé de poser un peu partout. Mais... Ouais, là, il y en a un, là. Voilà, il est peut-être plus le squelette. C'est pour ça. C'est pour ça que je... Ah Ah, bah voilà. oui, c'est ça. Dommage qu'il n'y ait plus le What? squelette. What ta musique de rose? Waouh, regarde. Donne-la-moi. D'accord. Non, je rigole. Trop bien, elle est belle. Oui. Elle est magnifique cette boîte de musique.
Ben bon courage, legit, ça peut être long, mais après au moins vous aurez un peu d'aide des viewers. Après la première fois où j'ai fait chacune d'entre elles, pareil, je les ai bien fait comme il faut, sans aide, avec deux potes. Avec un pote. Mais après en les refaisant, flemme de chercher pendant des heures. Alors la soluce à côté, au cas où, ça aide. Et oui, c'est sûr. Hop, je te dépose à toi. Ouais. Ouais. Oh, il y a un requin. Monkey, j'ai une astuce. Tu dois donner un coup d'épée dans les barils rouges avec les fils dessus. Ça va te montrer la route. Faut le faire à deux, sinon ça va pas fonctionner et ça explosera. Faut le faire à deux. Bien sûr, oui. On va le faire, ouais. T'as raison. On va le faire à deux. On va mourir bêtement. Très bon conseil. Ouais, moi je vais faire un AFK de 2 minutes là. Yep. À toute. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il nous restait? Mon activité préférée sur une île au nord de notre... Peut-être aller voir ma chinette du coup là. On a plus de page. On a trouvé les coffres. Donc il nous manque le médaillon là, visiblement. Peut-être aller à Sidog Rest. On va aller voir. Dog's Rest. Ah, c'est là. Sud-ouest. On va aller voir à Sea Dogs Rest, il y aura peut-être un truc. La moitié des pages ne servent à rien sur cette flab. Tu crois? Je crois bien, ouais.
On a trouvé le coffre. Avec des pages dedans et puis la boîte à musique du coup. Il me donne manquer les médaillons je pense. On a même pas de sauvegarde là pour le moment. Pam 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 pam. Ouais. Et heureux. Comment va? Ben ça va. Ça chante, ça danse. Ah mec. On va où là du coup? Sea Dogs Rest. On trouvera peut-être un truc là-bas, je sais pas. Ok, ok. Vous allez voir des phoques du coup? Tu crois? Je sais pas, Sea Dog. Eh oui. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'animaux aquatiques à part les requins en fait. Ouais. Requins, mégalodon, kraken, c'est tout. Ouais, c'est. Bon, par contre, c'est dangereux quoi. Ouais, c'est hyper agréable. Hein? C'est hyper agréable, j'aime bien. Ah bon? Apparemment, on a loupé un truc d'après toi, Mana. Ah. Bon, on verra bien, écoute. Tu fais quoi là? T'as dit quoi? Bah je vais à l'est. Ah non, pourquoi? On était pas ah merde, monsieur Gouré, c'était à l'ouest. Oh ça va. Je rêve. Je veux pas qu'on gagne en fait. Non. Vas-y, prends la barre. Si on a loupé un truc, enfin, qu'on revienne sur nos pas. Nord-ouest. Hein. Ouais. Alors, je vais regarder la farble. Ouais, surtout, j'ai tout regardé tout à l'heure.
C'est leur bounty, on y a été, si on en a trouvé. Ouais. Cannon Cove, on y a été? Non. C'était sur le chemin en plus. On ira après. Hein. Ouais, faut aller voir Cannon Cove sinon. Oula, ça veut dire. Ouais, j'ai eu une déco moi. Pendant le jeu là. Ah bon? Ouais. On y est, on y est, on arrive. Style. Bon, je me mets prêt à repartir de l'autre côté du coup. Ouais. Attends toi Mana, on va chercher d'abord seul. Et si on n'y arrive pas, on te demandera. Vas-y, mets l'encre, s'il te plaît. Non, je vais aller voir après. Ok. Alors on va aller voir là. Vas-y, vas-y. Tourne à droite. Ah non, tu veux, d'accord. Fifi. Moi je veux me mettre prêt à partir en fait. J'ai compris, j'ai compris. Ah. Je crois que tu t'es jeté. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé sur cette île là? Probablement un journal. Ils sont allés là. Ah, un maître des clés cendrées, yes. Il y a une sirène aussi. Bah, très bien ça. Je te l'amène. Yes. Je prends la clé. Je la mets là en attendant. Alors, où est-ce que c'est? Bah là, il y a un truc. Ah bah oui, la clé. Oui, je l'ai posée. Ouais. Ah, un coffre. Ouais, il y en a des choses ici. Il n'y a pas l'air d'avoir de journal, étonnant. Mais à quoi ça sert de venir sur cette île alors du coup? Bah je sais pas, elle était notée dans leur journal donc. Peut-être qu'on aurait pu trouver un truc. Ouais. Sinon la prochaine étape c'est Cannon Cove de toute façon. La sirène y'a rien là-dessus. C'est fort ça. À deux. J'ai de la bouffe. Ouais. Bon bah écoute, Cannon Cove alors. Ouais, je pense. Il n'y a pas d'autres îles de ça. On aura fait toutes les îles du coup. Bah écoute, ouais. Ah putain, du coup on est loin. Attends, je vais rapprocher le bateau. Wanderer's Refuge, on n'y a pas été je crois par contre. Où ça? Wanderer's Refuge. Ah, merde, fuck it.
Ça en fait des îles à visiter, hein. Lagoon of Whisper aussi. Note-les au pire. Attends. Alors, tu disais? Lagoon of Whisper. Ouais, c'est juste à côté. Et Wanderer's Refuge aussi. On peut Wanderer's faire Lagoon Refuge. of Whisper, Et Cannon Cove. Wanderer's Refuge et remonter sur Cannon Cove après. On Allez, peut. on Hein. fait ça alors. Donc, faut qu'on aille Mais au nous, on sud-est. est Mais où là? attends. On est à Sea Dogs Rest, hein. Ouais. Je vais te ramener le bateau pour que tu puisses. Qu'on Ils ont puisse trouvé le charger. médaillon ici. Ils ont trouvé le médaillon ici? Ouais, dans un coffre. Et le coffre que t'as eu, y'a rien. Je pensais vraiment qu'on aurait trouvé au moins un journal, quoi. Ah, j'ai rien vu moi. Ouais, je regarde, mais je pense qu'il n'y a rien. Nope. Je n'avais pas la même histoire, donc je ne peux pas être une grande aide. Ça marche. C'est pour harponner là. Ouais, je remonte juste la voile en fait. Allez, remonte-toi, le tremble le vent. Et continue à avancer, ce con. Arrête d'avancer! Harpon, harpon. C'est ce que je fais. Un peu de ma clé. Ah, what? Ouais, laisse tomber, je peux. Il fait que d'avancer, ça me saoule. Harponne-moi, harponne-moi. Je vais aller chercher des trucs comme ça. Elle fait quoi? Elle est morte. Ok. Allez. C'est bon, on a tout. Hein. Ouais, j'étais là, putain, c'est d'abonner un cochon. Sud-est, du coup, on va au lagoon, c'est ça? Bah ouais. Allez. Oh mec! J'ai harponné un cochon, ça l'a tué. T'as harponné le. La viande? Bah non, juste un cochon que j'ai harponné et ça l'a buté quoi. Ouais, sud-est. T'as harponné la viande? Ouais, c'est pas trop grave, c'est la viande de cochon. Hein. C'est trop bon la viande de cochon. Hop, plein vent. Oh, boum, plein vent. C'était de courte durée. Trop de vent. Allez, tourne. Ça braque mal. Ces nouvelles bécanes, ça se joue mal à vite. Là. C'est bon, on est bien là? Ouais, on est pas mal. Tu pourras aller plein S bientôt. Là, tu me dis. Ah, mégalodon. Ah, bon, on s'en bat les couilles. Bah, on peut se le faire, ça fera des. Tu veux qu'on se le fasse, du coup, on met l'ancre? Ouais. On va remonter. Hop. Ah, trop tard. Non, non, mais je voulais remonter les voiles après, mais bon. C'est bon. On va le faire comme ça. Ok. On va vite fait alors parce que. Il est où? On va encore finir à pas d'heure. Il est là. Ouh, il est bien dans la surface. Il est bleu.
est devant. Il attaque devant. Oh la vache! Ah bah il m'a foutu la flotte. Ouais, mais. Pas toi aussi. On a mis l'encre. Nos problèmes. Réparation. Il fait des je te laisse réparer. Ouais. Maison verte tout à l'heure. Ah ouais? Bien joué. Il a disparu. Ah non, il est là. Ah, ça va pas le faire. Oh, il m'a tué. Ah merde, t'es où? J'ai été éjecté. Ah. Tu mets un grillé pour l'apéro. Ah, il est rigolo ton smelé. Grave. Dicon. De sardines là, c'est cool. Ouais, c'est marrant. Il a fait des trous partout. C'est une grande bouche quand même. Putain, on a plus de bouffe. On a plus de bouffe. Ouais. C'est inadmissible. Ah si, on a plein de bananes après. Alors attends, est-ce qu'il est où ce fumier? Il est parti? Ah non. Où c'est juste? Il va pas le faire. Moi je l'ai touché. Ah ouais, mais moi j'avais plus de boulet. Salut tu Robert. Salut tu Robert. Voilà, bah oh. Est-ce qu'on aurait pas pris l'eau un peu? Ouais, je crois qu'il y a un trou que j'ai pas colmaté. Oh, il attaque devant. Ah le bâtard. Il est chiant celui-là. Ouais, c'est qu'on est sur un brigand. Ouais. Ok. Ah bah il est où? Mais non, il a de la vie. Un sac à pépé. Ouais, grave. Mesdames et messieurs. On lui tire au canon. Ah le bâtard! Il attaque toujours devant. Ah il s'était pris quand même celui-là. Ah moi aussi. Je suis mort. Ah bah attends parce que je suis éjecté moi du bateau. Ah. Je vais 13 et puis on va aller s'occuper de la cale. Mais non, pose ce putain de chien. Le chien qui se met devant. Bon, vas-y, tire-lui dessus, hein, je répare.
dans le vélo. Ouais, non, mais t'inquiète, Alta. On est où? À gauche. Oh, oh oui. Oh bah là, il a pris tellement cher. On l'a fait bugger. Il s'y attendait pas, regarde. La musique continue. Ouais. Qu'est-ce qu'il a pris? Donne-nous la bouffe. Ça marche, Ariel. Bonne soirée. Merci pour tout. Merci bien, à bientôt. Bon alors, ça met 15 ans à popper là. Ah, ça arrive. Je vais récupérer la viande. Ah, je crois que t'es un peu lent. T'as un requin, deux requins derrière toi. C'est pas vrai. C'est trop loin? Possible. Ah ouh. Bah il m'a raté. Ah là il m'a pas raté. Vas-y j'emmène ça. Ah mais t'es descendu aussi. Ouais. Ah j'ai un télé en fait. Y'a un coffre? Ouais. Ah bah il m'a buté. Putain. J'ai un télé. Ah bah il m'a buté. C'est beau. Ah saloperie quoi. J'arrive bientôt mais à tous les coups je vais me faire croquer juste avant. Ah franchement ah oui, t'arrives bientôt au bateau, c'est bien. Ah, oh, même ça que j'ai ramené, je peux plus. Ah, c'est galère. C'est sûr. Bien. Je vais mettre la clé centrale. Ah. Yep. Bon, peut-être falloir qu'on avance sur la table du coup là parce que... On va avancer le bateau surtout aussi. Ouais. Parce qu'il est déjà 20h46. Yep. Bon bah je remonte l'ancre. Merci. T'as chopé tout ce qu'il avait à choper? Non non non, mais faut redescendre l'ancre après. Bah tu me dis hein. Ah, c'est bon. Je jette pas. Vas-y, c'est bon. T'as chopé quoi? Un crâne? Ouais. Ils sont où les trucs de mégalodon? Ah, mais il y a plein de trucs là. Ouais, c'est à côté là. Ça ira mieux. Il reste une viande de mégalodon norme. Ouais, je l'ai. Ouais, mais pourquoi je reviens moi du coup? C'est con. J'avoue. Je prends le crâne du coup en priorité pour les mystères. Yep. Une fois je me suis fait le mégalodon rouge et le loot n'est jamais remonté, j'avais les nerfs. Ah oui, tu m'étonnes. Pas de bol toi, Mana. Mais c'est pas vrai. Je suis attaqué par un navire. Allez, c'est bon. On va remonter. Ouais. Je sais pas où on est par rapport à l'île. Je vais aller voir. Vas-y. Bah merci d'aller jusqu'au bout. Rien de rien. Faut aller à l'est.
complètement l'opposé. Ouais, putain la vache. Tu me dis quand t'es à fond sur l'encre? Ouais, je suis à fond. Ah, ça braque, ça braque. En plus, on a le vent, nice. Je serais pas venu. Je comprends, non, mais j'ai hésité. Hein. Là. Ça te fait le défi cuisiner à la perfection du mégalodon? Je sais pas. Ça te l'a pas affiché en haut à gauche? Non. Ah, ça peut être le faire. Bien. Je vais récupérer l'autre, ça va peut-être marcher. Ah, il y a un autre navire, un joueur. Oh non. Fais un sloop. Il est loin? Non, il est juste à côté, mais genre à la portée de canon. Ah, il se barre. Ouais, tant mieux. C'était pas notre île là d'ailleurs? Si. Bah mets l'encre. Vas-y, moi je vais rester sur le bateau au cas où il y en a un qui pointe parce que... Ouais, ça roule. Et puis il y a le mégalodon qui est en train de cuire en fait. Ouais. Ça fera le... Ah bah il y a un journal visiblement. Quand ça fera quoi? Lire le journal. Moi je sais pas. Ok. Là, tu peux venir si tu veux. Attends, faut que je parle de mégalodon. Seule la cabine du capitaine offre un peu d'intimité. Je savais que si je devais passer à l'action, ça devrait être sur le trajet du retour en barque. Je me suis approché, Rose a penché la tête d'un air interrogatif, le cœur au bord des lèvres. Je me suis encore rapproché. C'est alors que la rame a heurté un banc de sable, on s'est touché, ou plutôt heurté. Le front de Rose et mon nez, maintenant ensanglanté. Je suis consterné. Mais pas encore vaincu, une fois que Quickshot à terre commencera sur Sailor's Bounty, je retenterai ma chance. Voilà. Ça, faut que tu viennes le lire. Ok. J'arrive. Et du coup, j'ai remis du mégalodon à cuire. Yep, très bien. Du coup, faut pas qu'on prenne trop de temps. Oh, y'a Umbra. Y'a Umbra? Ouais, faut que tu lui parles. Attends, tu l'as trouvé où le livre là? Là. Là où t'es? Ouais. Là. Oh putain. Et oui, il faut ouvrir les yeux. Hein. Alors, c'est pas évident, hein. Surtout quand t'es daltonien en plus. Come on, don't bite. Je lui parle. Return with the truth. Eh ben qu'est-ce que je lui dise moi? Ça devait être un défi normalement. Ah oui. Bon bah c'est bon, on peut se casser. Il y a des partout des journaux. Des journaux. Il y en a encore là? Ouais mais non, ça a rien à voir avec... avec la quête je pense. Allez hop. On casse. Bon. Mais c'était pas là non plus. Ça a pas marché pour toi. Ah ouais, la vache. Ouais, il y a des fois où ça veut pas. Hein. Tu sais, c'est quand tu fais le. Quand tu charges le truc et t'as une vague qui te fait monter là comme ça. Hop. Non. Ouais, grave. C'est nul.
Bon, bref, du coup, on doit aller où là? On doit aller à. Wanderer Refuge. Yep, exactement. Et bah, c'est tout droit. Oh merci. Par bonté d'âme. Exactement. Ah ils sont encore là, c'est. Attends, bon, je vais me les faire. De qui? Ah oui, mais c'est ça me semblait, je les entendais. Ah. Ça voulait pas sortir. Je l'ai eu. Je l'ai eu. J'en ai eu un. Oh, je l'ai touché. Bien joué. Bien joué Arthur, bien joué. Oh, il a peur ton chien. Bah oui, on tire. Il aime pas ça. Je fais des gratouilles du coup. Des gratouilles. Allez, gratouilles. Des gratouilles. Et après, ce serait Canon Cove du coup, mais on n'a pas trop d'indices là. Bah oui, dis juste balade, mais du coup, bah y'a rien en fait. Quoi avec Wanderer là? Toi Mana qui dit de toute façon c'est sauvegardé donc si vous vous arrêtez là c'est pas grave. Ouais mais on essaie de faire un live une fable. C'est ça l'idée. Ouais. En effet, bon on verra. Oula, oula. Ça va dépendre effectivement ce qui est déjà 20h55. Bah écoute ça va dépendre si on arrive à trouver des trucs pour cette prochaine. Oh là 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 là. J'en peux plus, je n'en peux plus. Ça va, ça va, ça va. Ça va. Mais le pire, c'est qu'il n'y a pas de trou, mec. Ah bah, nickel. Il n'y a pas de trou. Bah écoute, à l'avant, il n'y a pas de trou. En tout cas, c'est bien à l'avant qu'on a touché. Et il laisse le bateau comme ça, en plus. Bah, il se barre, le gars. Ah si, il y a un trou. Voilà, il faut aller voir Olive et lui donner la boîte à musique. Hein. Ça se trouve, elle nous donnera la suite. Ouais, peut-être. Oh là, mais il a laissé cramer le mégalodon, l'autre. Ah mais non, j'en ai mis un autre, t'inquiète. Ah bah non, non, je viens de le sortir du feu, autrement il était mort, le machin. Ouais, oh, tout de suite. Je te jure. Tout de suite. Je te jure. Genre, je trouve pas un journal. Ouais. Prends des squelettes. Tu as tiré? Ouais. T'as un squelette derrière toi. C'est bon, il est mort. C'était rapide. Le mystérieux journal. Yep. Ouais, c'est pas ça. Ah, quête obtenue. Le problème, c'est que juste nous dire il y a un truc sur une île. C'est super. Là, ils ont dansé ici. Ils ont dansé ici? Ils ont répété leur cérémonie de mariage. Oh putain, il y a un intérêt qui travaille le coup. Hein. Ah, t'as venu qu'un capitaine squelette? Ouais. Hey. Ouais. J'étais tout seul. Comme un grand. Il m'a même pas mis de dégâts. Allez, tu dis quoi? Oh là 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 là. Il joue tellement bien cet homme-là. J'ai une trouille de chaloupe tout seul. Là, il y a des restes de bâtiments, mais il n'y a rien, quoi. Ah, elle est tellement grande en plus, l'île. Là, je crois qu'on va aller voir Olive. Hein. Olive? Ouais, on va lui donner le. L'objet, on verra bien. Bah attends, on va peut-être passer à Canon Cove quand même, ouais. Sur la route. Ah là, j'ai un coffre. Avec de l'or. Tac. C'est bien ça.
Ah, c'est squelette. Oh, merci, NoTime6425 pour le follow. Regarde bien ce qui va se passer, Lord Seth. Pourquoi ? Merci, hein, du coup, NoTime. Merci beaucoup. Parce que j'ai eu l'alerte qui est apparue sur le live, et du coup, il y a une nouvelle alerte. T'as pas vu ? J'ai pas vu, non. Ah, dommage. Faut que tu regardes le replay. Ouais, ouais. Carrément. À 1h53 environ. Eh ben, merci. NoTime. Merci beaucoup pour le follow, ouais, ça fait plaisir. Et bienvenue à toi. Ouais, carrément. Bah, deuxième coffre. Vous êtes monté sur l'île, c'est nimpe. Non, mais on en parle de vous là sur le Discord quand on voit les images des navires qui sont sur les îles aussi ou on n'en parle pas, hein? Bon. Non, mais je rêve. Non, mais vous avez bien raison. On fait ce qu'on veut d'ailleurs, c'est notre live, c'est notre. Ah, une chaloupe! Oui, c'est la mienne. Ouais. La chaloupe. C'est ma chaloupe. C'est ma mienne. Mais y a rien sur cette île encore là en fait. Eh oui, allez, on y va. C'est hyper chiant. J'aime bien les alertes. Attends, quand vous mettez des follow ou autre, moi, on a la petite notif qui sort, ça fait plaisir. Mais ouais. Yep, ça fable. Il y en a encore un, bon. Ouais, bon, je vais aller au ponton. Va au pont. Puis là, on va se casser. Vu le titre, tu fais la fable du Royaume Rose. Et c'est ça, exactement. Exactement. Tout à l'heure, je me demandais de pourquoi vous parlez d'olive, je viens de comprendre. Ah, c'est bien, ça suit. Non! Tu t'es pas raté là? Si. Allez, cours. C'est génial. Allez! Allez, le ponto, c'est ta dernière chance. Ah là, t'es trop loin. Oui! Oui! On l'a fait! Incroyable. Très jolie fable en tout cas. Ouais, on en galère un peu, mais. À mon avis, c'est qu'on a déjà les trucs. Hein. Ouais, j'y vois quand même. Hein. Va aller la voir quand même. Et il se met devant du coup. Et là ah, je regarde d'ailleurs. Pas de problème. J'essaie de voir par rapport à ton écran du coup. Eh ben merci NoTime pour ta proposition. N'hésitera pas à te demander yep. Si on a besoin. Ouais, pour l'instant, on fait un peu toutes les îles qui sont proposées et puis. On voit. Alors finis pas de lever l'ancre. Pourquoi ? Parce que j'ai pas mis les trésors de sur le bateau encore. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Non mais ça va bien oui. Allez. C'est bon, t'as tout mis ? C'est bon. Tu peux. Ah, pourquoi ça frotte? Parce que tu nous as tellement bien garé que. Pourquoi ça frotte? Non, mais je sais pas moi. Eh ben écoute, plein nord. Tu t'occupes de la cale? Très bien. Ouais, ok. Ça va, y'a pas de dégâts. Bah non, y'a rien. Ah! Ah, il y avait des rochers sur la. Ah! Oui, bah là, ça va! Ouais, mais on en a déjà une chaloupe NoTime, c'est pour ça que j'ai pas accroché celle-là. Yep! J'ai gagné du temps en faisant ça plutôt. Non, reste dans la cale, c'était bien. C'est Lone Cove, hein, c'est ça la dernière? Non, c'est Cannon Cove. Oui, Cannon Cove. Et on y est quasiment. Hein. Ah
Ah oui, c'est là où elle l'a sauvé. C'est dingue. Et puis après, bah, si c'est pas là, on se casse. On va au Sanctuary. C'était Sanctuary ? C'était avant post Sanctuary, ouais. C'est juste à côté normalement. Ouais. On est ce sera nord-ouest du coup. Ouais, bah très bien. Mais non. Mais si. On y était, on était bien là. Là, c'est pas la fille. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a sur cette fille? Oublie pas que t'as du mégalodon à cuire. Tiens, une caisse d'épices. Tiens, chope ça avec le. Attends. Là. Caisse d'épices. Bien joué. Je marre le navire. Ah, ce que je fais. Tiens, attends. Caisse de plantes. Ah, attends, je suis pas dessus. Ah oh, la vache, c'est hyper chiant avec caisse de plantes. Ouais, c'est dans l'eau. Je hein, pense ouais. Que. Ah non, ça va couler. Ça coule au bout d'un moment. La caisse de thé. Je pense qu'il y a un mec qui en a eu marre. Il en a eu marre, il a tout béné quoi. Tiens, vas-y, chope ça. Faut le livrer à Golden Sand en plus. Oui, mais on va pas aller à Golden Sand. On va le livrer à Sanctuary, c'est pas très bien. Après, ils s'arrangent les mecs. Ils s'arrangent. Là, je suis pas marchand de thé moi. Ouais, on a déjà la boîte à musique, ouais. Du coup, on sait pas trop ce qu'on cherche, là. On nous dit d'aller sur des îles, on y va. On est un peu con, hein. Mais en vrai, on trouve les journaux, comme ça, c'est bien. Hein. Ouais, ouais, carrément. Ouais, et puis ça fait visiter. Du coup, il s'est passé quoi, ici? C'est là où Rose a sauvé George. Ouais. Incroyable. Ok. Elle l'a sauvé comment? Avec deux sabres. Avec deux sabres? Ouais. Incroyable. Et il a trouvé un trésor. Yep. C'est long à cuire ça. J'ai rien trouvé pour moi. Ah, c'est bon. Ok. Ah, il y a un coffre au 1000 grog. Allez, trop bien. Ouais, tu es un peu bourré. Ça va rallumer à ramener ça. Attends, bah, tu vas le harponner. Allez, je bouge. Vas-y, essaye de me choper. Non, j'ai pas pris le coffre. Trop bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de voilà. Dessus. Grave. Alors, t'as pas trouvé de journal? Non. J'ai déjà été par là. Panier, serpent, super. Ah, il y a une grotte par contre. Ah.
Ah, là j'ai trouvé un truc en rapport avec Ombra, si tu veux. Aaron Lighter Ouais. a frappé ses propres pièces pour remercier le grand architecte des mers. Il a traversé Ah, deux tu l'as océans eu? pour les livrer en Côté là? personne. Ouais, je suis à côté. Énorme. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est moi que t'as touché. C'est... Non, c'était pour le squelette. C'est moi que t'as touché. C'est Excuse-moi. pas possible. Non, mais je voulais te défendre. Mais je m'en sortais bien tout seul, non? Non, non, mais moi je voulais aider, du coup. Il va me Ah, il y a un tuer. squelette. Il va y avoir des trucs là, parce qu'il y a un squelette qui est empalé sur un arbre. Ah, c'est ses spécialités, c'est vrai. Spécialité de rose. L'empalement de squelette. Rosie! Ouais, bah go Sanctuary, hein, je crois. Je crois qu'il y a que dalle. Hein. Je vais aller tout en haut pour voir. Y a un ponton là, c'est peut-être le ponton. Ah, j'y étais, ouais. J'ai été. Ah, Bon bah je me. il y a des tonneaux, mais. Bon bah merde. Je me casse. Il se casse. Ouais, tu peux commencer à y aller, je pense. C'est quoi ces îles là où il y a rien? C'est pas carin, c'est que pour cette fable, ils disent beaucoup d'îles, en fait. Faut s'en foutre. Bah c'est pas top. Ah, j'ai encore choisi le bon chemin moi. Pas prêt à arriver. Et je trouve vraiment aucun journal en plus. Aucun journaux. Allez, je me fais tirer dessus, c'est gratuit. Ouais, mais je suis où là en fait? Et oui, effectivement. J'ai trouvé le squelette aussi. J'ai perdu notre bateau. Bah, je suis à côté. Ouais, mais parce que j'ai fait le tour par l'eau. Ah. Je m'étais dit ça va aller plus vite. Mais en fait, non. Surtout que j'ai Effectivement. un cadeau pour toi. Bon, allez, je te rejoins sur le bateau parce que. Ouais, mais je suis pas encore au bateau. Hein. Ouais, bah oui, c'est ça. On fait toutes Mais les îles, cool. on fait toute l'histoire en fait. C'est ça. Alors, on va aller au nord du coup. Bah rien. Tu me rappelles? Ah oui. Oui! Yes. Bien joué, Bibi! Eh vas-y, nord. On voit les voiles. Oh, on a toutes les voiles. Putain, c'est beau ça. T'es au nord là? Yep. Oh là là. On va à Sanctuary là du coup. Ouais. Donc, tu peux mettre un peu à l'ouest, nord-ouest. Oui, pile poil, là t'es droit devant mon pote. Nice. Nice. Et du coup depuis le début, depuis le départ, là, elle a fini la quête ou quoi là? Je sais pas. Du coup, on va aller voir. Celui-là, j'ai pas dit. Peut-être qu'elle est en plusieurs morceaux. Parce qu'elle Ouais, a c'est. dit
en fonction des souvenirs que vous trouverez, des objets que ça va débloquer ou un truc du genre. C'est ça qui était chelou. Bah oui, c'est pour ça, on va lui donner la boîte, ça se trouve, elle va nous donner les pages suivantes. Parce que c'est elle qui nous a donné le bouquin à la base. Ouais, alors si elle nous donne les pages suivantes, ça sera pour un autre live. Ouais. Parce qu'il est déjà 21h15. Les enfants, c'est pas que je vous aime pas, mais ça fait 2h10. C'est la plus longue. Bon, je pense qu'on s'y prend très mal sur celle-là, surtout. Ouais, je pense qu'on l'a pas géré. C'est... Je comprends pas ce qui nous manque, en fait. Ouais, moi non plus. Merde. Ah putain. Oh la vache. Allez, je te laisse réparer, moi je vais emmener la boîte à musique pour voir. Allez, vas-y. Toujours le même que le sale boulot. T'as mis l'encre pour moi? Ouais. Oh là là. Bah je lui ai donné. Et ça donne quoi? Ça a fait. Y'en avait pas autre chose aussi? Y'a le coffre. Y'a quoi dans le coffre? Bah rien. What the fuck. Mmh. Ça a peut-être bugué, hein. Je sais pas. Parce que quand t'as pris les pages là dans le coffre, ça nous a pas rajouté ouais. De pages, justement. Je les ai pas pris les pages dans le coffre. Juste justement, le coffre. Si tu les as prises en fait. Et parce que moi j'ai pas pu les prendre. Et on n'a pas eu de notif, alors ça se trouve ça a bugué à partir de là. Je sais pas. Là on a aucun indice en fait. Que le coffre à la pointe, tu parles du coffre à la pointe de rapier Kay. Ouais. On a trouvé le truc notre premier crâne. Ça ces pages là on les a eu. Je sais plus comment on les a eu. Si le coffre de souvenirs, faut peut-être le donner directement, non? Ouais, on peut, hein, mais je pense que ça va rien faire. Je pense que la fable est pétée, là. Bon, là, on a manqué un truc. Ouais, en plus, ça a pas checkpointé, donc il y a un souci, là. De toute façon, on va... Ouais, j'avoue, ouais. S'il y a un indice, vous allez le trouver. Bah, franchement, on a tout fait, là. Hein. Je vais bien re-regarder le livre encore, mais... Elle en a rien à foutre de mon coffre. Mon activité préférée. C'est ce truc qu'on n'a pas fait, mais. Et l'île, c'est. Comment s'appelle celle-là? Ouais, elle veut pas l'acheter le coffre, elle veut pas le prendre. L'île qu'on voit, c'est. On va tout vendre, non? Tu peux tout mettre sur la. Ouais. Voilà, ah oui, Smuggler putain, j'avais oublié. L'île qu'on voit, c'est Smuggler Bay ici sur cette page. Mon activité préférée. Ah. Mais
Non mais c'est tout quoi. Sur une île au nord de notre premier crâne. Après on est à côté hein, au pire. Bah, on vend et on voit. Je pense ouais c'est peut-être Smugger Bay mais je vois pas ce qu'il faut y faire par contre. Écoute, on verra bien. Au moins on aura vendu. Ouais c'est ça à mon avis. Bah tant qu'à aller sur Google, autant vous demander à vous hein, pour le coup. Hein, non mais si c'est ça, ça doit être Smugger Bay. Bon, on va aller à Smugger Bay, je sais pas quoi là et... Tu veux vendre avant ou on vend après? De toute façon on reviendra ici de toute façon après. Vas-y on va y aller maintenant. Bah vas-y. Et ouais. C'est qu'en fait, ce passage-là, moi j'avais l'impression que c'était le crâne, justement. Alors, Smuggler B, ça va. Hop. C'est au nord. De toute façon, c'est tout autour de Sanctuary, donc ça c'est cool. Ouais, c'est assez pratique. Il y a que le coffre des souvenirs du coup que je vais pas mettre. Ok. Ouais, ça y est, j'ai tout mis du coup. Ah non, peut-être pas les joyaux. Ah, puis pas les caisses de plantes. Oh la vache, je vois rien avec les caisses de plantes. Ça, c'est horrible. Ouais. Smuggler Bay, j'aime beaucoup cette île aussi. Ah bon? Ouais, tu verras. Elle est très sympa. Attends, on a qu'un joyeux de sirène, ils sont où les autres? Dans les coffres, on a mis. D'accord. Faudra penser à acheter un coffre cendré après, aussi. C'est comme on a une clé. Oui, monsieur. La dernière fois, on avait oublié. C'est celle qui est devant là, ce me garder. Ouais. Oh non, c'est un rocher. Ça. Ça c'est un rocher, mais oui, après c'est derrière. À droite. Ouais. Dommage. Qu'est-ce qu'il y avait? J'ai essayé de harponner pour aller plus vite à droite, mais dommage. Quoi? Rien. Ouais. Béton. J'ai pas fait attention, d'accord. T'as pas fait attention à quoi? Et je mets tout sur la chaloupe. Et puis là, je pose un crâne et je t'en plouf. Mais non. Si. Putain, mais t'es naze. Mais j'y peux rien, moi. Oh la vache. J'ai entendu plouf. J'en suis pas. Et un crâne, il est à l'eau, bah, c'est pas grave. Allez, j'essaie avec le. Ouais. Avec ça là. Maintenant. Ah, fais pas le con, hein. Oh là, non, mais fais pas ça pendant qu'on roule. Ok. Il est... Vas-y, mets-toi à gauche, mets-toi à gauche. Je me mets pas à repartir. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais à gauche. Voilà. Tu peux m'aider à arrêter le bateau, là? Ouais, on arrête, là. On est sur Smugger Bay. Sauf qu'il faut faire quoi ici? Il faut encore trouver un squelette qui est planté là dans un arbre. Elle est sérieuse. Je crois que c'est ça. Hein. Non, on l'a jamais trouvé l'autre. Ouais, bah c'est pour ça, c'est ça qui m'a perturbé moi. Oh là là, mais.
Y'en a des poules là. Elle est hyper grande en plus, Phil. Comment tu veux trouver un squelette dans un arbre? Moi je suis du côté droit. Ouais, c'est ouais, bon, bah, tu es du bon côté. Ouais. On va fouiller hein. Il y a tellement pas d'indices là par contre, c'est ouf. Là, sur le livre. Pour moi, c'est ça qu'il faut retrouver, mais c'est peut-être pas ça. Hein. On va voir. Bon, on va demander l'avis à la commu. Hein. On va faire le tour d'abord, et puis si on galère, à l'aide. On vous dira à l'aide. On a aucun objet quoi en plus. Non. La boîte à musique, je l'ai vendue. Ah bah super. C'est un rat à porter d'ailleurs. Ouais, c'est normal. Donc nous c'était sur la table la plus simple qu'on galère le plus en fait. Exactement. Ce que j'étais en train de me dire. Tout à l'heure on a dit c'était la table la plus simple. On y est depuis 2h20. T'arrives à trouver ce squelette ou pas? Mais non, y'a rien! Y'a rien! Commence à m'emmerder avec ce squelette l'autre là! Putain de rose de mes deux! Mon activité préférée. C'est quoi son activité préférée? Toi, Mala, te demande de remontrer la page. Ouais, je viens de le faire. Ah, ok. Oui. Oh putain. Là, je commence à péter un pont. Ton activité préférée, c'est de se battre à tous les coups. Oui, bah oui. Ah, il y a une sirène. Une sirène. Il y a deux sirènes, mec, côte à côte. Incroyable. Ouais. On se les fait. Bah oui. C'est quelle couleur? J'en sais rien. Il y a pas exemple. Il y en a une bleue et l'autre rouge. Ah, la rouge, tu vas faire moi. Ah, t'as vu le bleu. Ouais. Tu viens pour la rouge? Ah, je sais pas où t'es, mais j'avance. Ah, je te voyais, je suis en bas là, je suis venu. Vas-y, continue tout droit là. Va vers la mer, vas-y, continue tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Ah, saute. Vraiment, t'étais en bas? Ouais, je suis en bas. C'est quoi ce bruit? Je sais pas, de quoi. Et là, va sur ta gauche. Tu suis la plage, tu vas sur ta gauche. Là, c'est pas des palmiers qui ressemblent à ce qui est sur le journal. Ah si, ça tire. Non, c'est l'orage, non? Ah bah peut-être. Et vas-y, continue, hein. C'est de l'autre côté de... C'est tout droit, faut suivre la plage. Je crois que son activité préférée, ça doit être de glander en fait. Bah, mon activité préférée, il n'y a rien. Ouais, mais je sais pas, je vais regarder le livre là.
Ah, je te trouve pas, mec. Vas-y, continue, hein, je te vois. Ah oui. Vas-y, au charbon. Ah, ça sent trop bon en bas. Ah. Ça sent la bouffe, mon gars. On l'a eu. Allez, quand même, ça allait quand même. Squelette. Tu l'as pris le rubis rouge? Oui, il m'a tué. Non, t'es sérieux? J'ai plus de vie. Oh la vache, je vais crever aussi. Je réanime. Merci. Alors, je vais regarder ce bouquin encore. Ouais, en vrai, là, du coup, si vous pouvez nous aider, même vous spoiler, j'avoue. Juste nous dire où faut aller. Genre, j'ai une saveur inverse, c'était chaud, épicé. Ouais, c'était moi qui chauffais le cœur, m'a raconté ses hubs, je me suis endormi sur son épaule. Non, c'est pas ça. On a déjà été là où ils ont eu leur premier crâne. Oui, on y a été. Hello, Ursandra. Sur une île au nord de notre premier crâne. Et c'est là où on est. Hein. Ben voilà. Salut, Ursandra. Ouais, c'est là où on est, en fait, au nord de leur premier crâne, là. On prendra le saphir rouge. Ouais. Enfin, le rubis, du coup. Ah oui, là, t'as bien raté le début, là. C'est la fin. Ouais. Zut! J'ai raté le début. C'est le générique du film. Merde. Mais si, il faut trouver... faut trouver un squelette embroché quelque part, c'est sûr. Ah ouais, non, mais là, ça prend 3 plombes et demi. Je suis en train de baver tellement j'ai la dalle. Ouais, si vous avez la solution, dites-moi. Dites-moi ouais. Tout. Carrément. C'est là où on sèche un peu. Bah là, ça va durer 3 plombes, ça va pas être intéressant. C'est pas hyper clair, hein, j'ai l'impression. Eh bien, on en est. C'est bien ça le problème, on sait pas vraiment où on en est. En fait. On a trouvé la boîte à musique et un coffre avec des trucs dedans. Mais à part ça, y a rien. Trouve un endroit similaire à la photo. Ouais, mec. C'est un palmier, quoi. C'est impossible, quoi. Aucune direction, rien. Il faut trouver un palmier en forme de... je sais pas quoi, là. Avec le squelette. Au bord de l'eau. Bah super. Trouver un palmier, mais il y a que ça, des palmiers. Voilà, on n'est pas sur la bonne île encore, hein. Ah ouais, mais là... ouais, bah on refera la fable, je pense. Là, on a fait la ouais. Fable de Wild Rose. Mais on l'a partiellement fait du coup. Hein. Il nous en reste un. Ouais, bah, je pense qu'on finira la prochaine fois. Hein.
parce que là. Ça se trouve, fallait aller. Fallait aller où? Fallait aller sur l'île où tu voyais Smuggler Bay, au loin, avec ce palmier et trouver le bon point de vue. Possible. En fait, on a eu le deuxième indice, mais pas le premier. Bon, bah, on va les vendre et puis on va arrêter là. Ouais. Ouais, on doit être, ça doit être sur notre île. À côté de Smuggler Bay, en fait. Putain, c'est con. Bah, la prochaine fois, on ira plus vite comme ça. Ouais, c'est sûr. Des petits trésors. Et hop. Ça va avoir harponné d'ici ou pas? Je vais voir. Ça serait cool. C'est trop loin. Oh putain. Oh, bah, c'est parti. Je vais prendre la chaloupe. Ouais, prends la chaloupe. C'est la numéro 5. La fable qu'on fait, Lounes. Yep. C'est le White Rose. Ouais, on a trouvé pas mal de trucs. On n'aura pas fait ça pour rien. Toutes les émeraudes quoi. Ouais. Enfin, ça fait pas un succès ça. Eh vas-y rame. J'arrive pas trop les rames. Ah c'est des fois c'est pas évident. Hein. Et quand on met le stuff dessus, oui c'est sûr. J'ai envie d'essayer un truc. Est-ce que ça va nous faire aller plus vite? Ça aurait pu faire. T'imagines ça la faisait couler? Ça m'a fait trop marrer mec. Ça, j'aurais pu aller manger. Pas besoin de retourner à Sanctuary. Hop là. Bon allez, on se casse. J'en ai ras la visière. C'est faut aller à Boulder Key. À mon avis, c'est ça. Parce que Lone Cove, c'était l'endroit où ils ont chassé l'autre, je crois. Ouais. On m'écrane, attends. Bah là, on vend et on s'arrête à Lounes. Enfin, en tout cas, moi je m'arrête. Ouais. Après qu'on ait vendu. En vrai, Boulder Key, c'est. On passe devant. C'est juste avant Sanctuary, sud-est. Ah ouais, non, mais je sais, mais ça va nous faire. C'est une toute petite île. Ça doit être là. Merci salut, pour le Elric, follow, Iron Flash. Elric. Ah yes, merci. T'as vu alors la petite animation? Ouais. Voilà. Ah, c'est hyper classe. Petit Kraken. Ouais. Et Elric Hoff nous demande si on est des Jedi. Oui, tout à fait. Maître Jedi. Oh putain, on est dans une tempête, mec. Sud-est. Ah. Mais non, mon arabe. Putain, ça va nous prendre 3 plombes et demi. Non, non, t'inquiète, c'est là. Je vais te dire. Va à droite ou à gauche. Ouais, continue. Ouais, je suis bien. Continue. Tourne encore, tourne encore. Tourne encore, hein. Ouais. Tourne, okay. Tourne. Ouais, je tourne, Tourne. Je ressemble à Obi-Wan et ben je prends ça comme un. Un compliment, ouais, comme un putain de compliment, franchement. Là, garde le cap. Et ce sera bon. Je garde le cap là. Oh là. Chaloupe déborde, c'est ça. Un peu plus à droite et on y est. Tu vois, c'est vraiment là.
Allez, allez. Ouais, bon, mettons. Allez, allez, allez. En plus, c'est bien, c'est des petites îles, ça. Là, on voit l'île qu'on voyait sur le truc. On voit... Alors, le palmier. Je pense que c'est lui. Il faut creuser là. Oh, c'est ça. Oh, putain. Ah, mais ça fait la nuit. Ouais, t'as épice de Georges. Hein? Je la vois pas. Je vois que des larves. Ah, mais moi non plus. Point de sauvegarde. Au moins, on a le point de sauvegarde. Ah, c'est moi qui l'ai eu, en fait. Ah, c'est toi qui l'as eu. C'est moi qui l'ai eu, en fait. Yes. Bon, bah, point de sauvegarde. Bah, là, on peut se casser, par contre, du coup. Bah, oui, et puis comme on va les vendre, du coup, ça va nous valider tout ça. Nice. On a trouvé. Wouh. Merci pour les indices, Toman. Ouais, grave. Ouais, j'étais pas parti dans la bonne direction, moi. C'est bon, je l'ai pas jeté. J'espère. C'est bon. Du coup, là, faut aller au sud. Vas-y, dirige, dirige, dirige. Sud, 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 sud. Ah bon, faut aller au sud. Bah, je crois, ouais, vers Sanctuary. Ouais. Et sud, alors. Va au sud. Tiens, harpon, harpon. Ouais, ouais, c'est... sud, sud, sud-ouest, mais gros sud. Hein, ah gros oui, sud je le vois, je vois, je vois. Un sud là-dessus. Attends, il y a une épave là, on va se prendre l'épave. Je m'en fous, tu avances. On va se prendre l'épave. Je m'en fous, je nettoie. Oh là là. Ça va être nous l'épave. Oh, on est passé sur une épave, c'est fantastique. En vrai, on se prend rien en fait. C'est fantasmagorique. C'est fantasmagorique. Ah ouais. Carrément quoi. Eh bah, c'est Sanctuary, voilà, c'est ce que tu vois là, c'est Sanctuary. Voilà. Lord, tu ressembles au Jedi King. Qui-Gon Jinn. Eh oui. Oh putain, et tu sais que on me l'a dit plein de fois, sérieusement. J'ai des potes qui m'appellent Qui-Gon. Bah écoute, moi je suis content. Que la force soit avec vous, merci. Kraken, Kraken, invocation. À quand le prochain live Sea of Thieves avec des abonnés? Alors ça, c'est une très bonne question, Lounès. Mais oui, nous ne savons pas, nous n'en savons rien. Voilà, on va aller demander à Yoda. Bah du coup, t'arrêtes là? Bah on va vendre, et oui. C'est bon, t'as tout ce qu'il faut dans la chaloupe? Ouais. J'ai ramené ça. Allez. C'est bon? Ouais, ouais, on y est. T'as plus qu'à ramer. Allez, on va ramer. Si je trouve les rames. Et non. Je vais manger les gars, à plus. Bon appétit à toi, Toamana. Ouais, bon app, toi. Toi. Bah je vends moi ça. Vas-y. Pas de trésor. Ah non, il y a des trucs dedans. Ah, oh, mais il y a la clé cendrée, bah non. Ah bah si, le crâne de capitaine, je peux vendre. Ah ouais, vend tout ce qu'on peut vendre. Vend tout ce qui est... os de faucheuse, n'importe quoi. Oui. Ordre des âmes. Je vais lui donner voilà. la caisse épice là pour voir si ça change un truc. Ouais, bah de toute façon ça va sauvegarder. Ah, c'est bon. Et les fameuses épices de George. Alors elle a dit, oh bah voici la boîte à musique et puis le truc de George. Il est faux. Et oui. On va faire la magie. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on pourra reprendre là du coup. Pas la prochaine fois. Parce qu'elle est pas, elle est pas finie du coup. Non. Elle a fait de la magie, elle voilà. Boit une potion. Ah. Elle met la potion dans. Non, mais c'est bien, je peux suivre sur ton écran même pas que je joue du coup. Hop, location magie avec les os. Ah, c'est beau. Épreuve terminée. Yes. Et à quoi que ça sert ce machin?
Bien. Cette boussole vous mènera jusqu'à Wild Rose et George. Où qu'ils se trouvent, je vous en supplie, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour nous les ramener. Je tiens à célébrer. J'ai pas eu le temps de finir. Alors, on a gagné. Célébrer leur union. La boussole enchantée. Oh, c'est beau. Ah, c'est une boussole à suivre, du coup, non? Ouais. Comme le Wayfinder. Bah voilà! On a réussi à avancer. C'est bien ça. Moi j'ai vendu pas mal, moi, du coup, en attendant. Ouais, très bien. Quasiment tout en fait. T'es souhaité le chien. Du coup, il est avec les cendrés, tu voulais pas prendre un coffre? Si. Vas-y, tu peux aller l'acheter si tu veux. T'as l'arena qu'il faut que l'achète? Ouais. C'est laquelle la quête déjà pour le coffre? Voyage de coffre cendré. Un truc comme ça. Attends, mais c'est dans quoi? Je chope ça dans le stock? Ouais, enfin dans le truc du marché noir. Ah, mais j'ai rien moi. A moins que ça soit en doublon que faille l'acheter? Ah, il est en doublon. Ah oui, c'est. Voyage de coffre ou de clé? De coffre? Ah, de coffre. Ouais. On va le choper sur l'avant-poste. Et du coup, il est où après le coffre? T'as une carte. Et avec la carte, tu le creuses sur l'avant-poste. J'ai pas de carte. Hein. T'as pas dû l'acheter. Ah, mais il faut que t'ailles voter. Ouais. Ah, bah oui. Dans le bas. Ah, bah oui. Mais faut pas qu'on finisse notre fable avant de pouvoir voter. Bah on a sauvegardé là, donc c'est bon. Bon, alors on prendra pas. Il faudra pas que tu viennes pour l'annuler. Si. Je suis à côté de toi. T'es sur le bateau là? Bah ouais. Enfin, je vais te harponner si tu veux. Ok, super. Ah, tu fais que de bouger. Ah, oh, bien sûr, c'est ma faute. Ah oui, c'est ta faute. C'est pas possible. Je t'ai confondu avec du bois de quai. Non, t'as fait proposer une quête. Sur la table. Ouais. Et tu mets ta quête que t'as achetée là. Ah, bon, on peut faire les deux en même temps en fait. Bah ouais. Bon, bien ça. Et du coup, il n'y a plus qu'à creuser sur la map. Ouais, c'était un peu anecdotique quand même. Ah merde. Tu vois où c'est toi ou pas? J'ai pas trop regardé. Je sais pas où est-ce que le notre ponton en fait. Bon, attends, on va vendre, on va faire ça. Coffre des grogs, c'est à qui pour vendre ça? Au Christian d'or. Ok. Ça a bien augmenté ma réputation d'ordre de dame. Hop. On en a des choses à vendre. Oui. Non, attends.
T'as pris la clé sans rue ou pas? Non. Non, mais j'ai ramené le coffre. Ouais. Ça marche. Bien joué. Yep. Putain, elle veut pas acheter mes fleurs, le trou de balle de... Ah oui ? De marchand, là. Elle en veut vraiment pas. Bah j'arrive pas à les vendre. C'est pas lent, j'ai mis devant du coup. Tu l'as mis où du coup le coffre, c'est vrai ? Devant le ponton. On va ouvrir ça. Yep. Tome de résurrection 3. Tome de résurrection 2. Allez, faut vendre à l'arena. Ok. À l'arena ? Ouais. Ça t'arrête pas du coup. Parce qu'il y a un coffret de soufre que lui achète. Ah. Oh, c'est pas cher. Hein. Tac. J'ai un bug. Hein. T'as un bug ? Ouais, j'ai rien qui tombe. Ah. Moi, ça tombe à mort. Hein. Enfin, j'ai juste les sommes en fait. J'ai pas la musique et j'ai pas l'émoticône en bas. Ouais, c'est peut-être parce que j'ai fait la fable en même temps. Enfin, vu que t'as fait la fable et que moi j'ai vendu, ça se trouve ça a tout fait buggy. Ouais, je sais pas. Ah, déjà qu'il a... De toute façon, il a toujours du mal. Hein. J'ai pu vendre le coffre de souvenirs. D'accord. Bah écoute, tant mieux. On va peut-être baisser les mystères de l'ordre des âmes après. Ouais. Bah j'ai voté. Je crois que tu votes. Pareil. Ben voilà. On doit être à yep. Je sais pas, 50%, on verra plus tard. Attends. Voilà. De toute façon, moi je vais vous laisser là. Ouais, bah, on va arrêter de toute façon. Ben voilà, ouais. Écoutez. C'était marrant. Carrément. On a un peu galéré. Carrément, carrément. La prochaine fois. C'était un peu long. Ouais, quasiment 3 heures de live. C'est parce qu'on a fait, on a été trop long sur les îles. C'est pour ça. Ouais, bah écoute, c'est pas grave, mais en même temps, on l'entend. En tout cas, c'était cool. Donc, merci à vous d'avoir été là. Carrément. Merci à toi, Lord Set. Et bah, merci à toi, Monkey. Et puis, merci aux nouveaux followers. Merci à Aaron Flash. Merci, Notime. Clairement. Ouais. Merci à vous, c'était super cool. Carrément. Et puis ben, on se dit à la prochaine du coup pour les fables. J'aimerais le replay pour être à jour pour la suite. Et ben ça roule, ça marche, Arsandra, merci beaucoup. Allez, salut Lucas, allez. Salut à tous, à bientôt. Bonne soirée à tous, amusez-vous bien. À la prochaine. Puis, on se dit à bientôt. N'hésitez pas à nous dire que vous aimez ça avec des likes, des commentaires, du partage et de l'abonnement, du following. Et rejoignez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube. Twitch ouais. Et Discord. Allez, bien entendu. Salut à tous, merci à vous, bonne soirée. Bye. Allez, salut, bonne soirée.